Bonjour. Dans le cadre de notre émission d'aujourd'hui, nous avons voulu revenir sur un article consacré au traité de Sèvres, dont le titre « Le traité qui explique le Moyen-Orient d'aujourd'hui a été signé en France » évoque le fait qu'il y a 95 ans, en 1920, l'Europe partage l'Empire ottoman en vertu d'un traité signé à Sèvres. L'auteur de cet article n'hésite pas néanmoins à prétendre, je cite, que cet éphémère traité ne durera qu'un an, mais dont les répercussions seraient toujours d'actualité, qu'il n'a pas été ratifié et qu'il serait donc caduc ou tombé aux oubliettes. Devant ces affirmations, qui apparaissent néanmoins très partisanes, ainsi manquant totalement d'objectivité, nous voulions avoir l'avis de M. Armen Akapramian, président du Conseil national d'Arménie occidentale. Bonjour, Monsieur Apramian. Que pensez-vous de ces affirmations? Bonjour. La première chose serait de faire une démarche analytique du traité en question, chose qui n'a été faite par personne. D'un point de vue chronologique, le traité de Sèvres, dont les lignes principales ont été déterminées à la conférence de San Remo entre le 18 et le 26 avril 1920, durant cette conférence, les puissances alliées proposèrent que les États-Unis acceptent un mandat sur l'Arménie, quelle que soit la décision du Sénat, afin que le président Wilson définisse les frontières de l'État arménien et que son arbitrage concernant les frontières turco-arméniennes soit reconnu dans le traité de paix avec la Turquie. Le traité a été remis pour signature au gouvernement ottoman le 11 mai 1920. Les conditions que les Alliés ont remises à la Turquie par l'organe de M. Mihran étaient connues d'avance. Elles sont dures, mais méritées, et elles auraient pu être encore plus dur, puisqu'il avait été question de prendre Constantinople aux Turcs et de refouler ainsi le siège de leur gouvernement en Asie. Personne ne s'apitoiera sur leur sort, qui n'est qu'une faible expiation pour les massacres des Arméniens et des Chrétiens, déjà en 1915, qualifiés de nouveaux crimes contre l'humanité et contre la civilisation par la Triple Entente, auxquels ils ont froidement procédé, spécialement au cours des 20 dernières années précédentes. La cérémonie de la remise du traité de paix à la délégation turque a eu lieu un mardi à 16 h au ministère des Affaires étrangères à Paris, en présence de la délégation arménienne. Monsieur Mihran présidait, Monsieur de Fouquier, chef du protocole, introduisait les délégués de l'Empire ottoman. Monsieur Mihran, au nom des Alliés, leur remet le projet de traité. Les puissances alliées ont décidé que les discussions auraient lieu par écrit. Un délai d'un mois est accordé au gouvernement ottoman pour faire connaître ses observations. Tevfik Pacha, les mains tremblantes posées sur le document qu'il venait de recevoir, répondit quelques mots d'une voix assourdie par l'émotion. Monsieur Mihran a levé la séance qui avait duré 5 minutes. Le Conseil de la souveraineté se réunissant le 22 juillet 1920, sous la présidence du sultan Vahidettin, c'est-à-dire Mehmet VI, a considéré qu'il préférerait avoir une faible existence que d'avoir une lourde perte et a décidé l'adoption du traité. Après que Tevfik Pacha n'eut pas signé ce traité, qui morcelle le territoire et qui ne convient pas du tout avec l'honneur et les sentiments nationaux, Reshat Alish Bey et Rissat Tevfik Bey, chargés par Damat Ferry, ont signé le traité le 10 août 1920, c'est-à-dire 3 mois après la remise du traité. Très bien, mais pouvons-nous revenir sur le contenu du traité de Sèvres? D'accord. Alors, le projet de traité qui a été remis aux délégués turcs est divisé en 13 parties et 433 articles. La première partie comprend le pacte de la Société des Nations, à laquelle un rôle est assigné à plusieurs reprises dans le traité. La deuxième partie décrit les nouvelles frontières de la Turquie en Europe et en Asie. La troisième partie, qui comprend 13 sections, oblige les Turcs à accepter les changements politiques à intervenir en Europe et en Asie, tels qu'ils résultent du traité. Elle stipule la reconnaissance de l'indépendance de jurée de deux nouveaux États, l'Hédjaz et l'Arménie.
la reconnaissance provisoire de la Syrie et de la Mésopotamie comme État indépendant, conseillé et assisté par un mandataire. L'administration de la Palestine par un mandataire qui sera responsable de l'application de la déclaration faite par le gouvernement britannique en 1917 concernant l'établissement en Palestine d'un homme national pour le peuple juif. Elle exige aussi la reconnaissance par la Turquie de la situation nouvellement créée par la guerre en Égypte, au Soudan, à Chypre et dans les îles de l'Égée, ainsi que la reconnaissance du protectorat français au Maroc et en Tunisie pour couper court à toute tentative de la Turquie d'exercer une influence sur les musulmans de l'Afrique du Nord. Mais concernant la structure du traité, je vais m'arrêter là pour le moment. Mais depuis quelques semaines apparaissent dans les médias plusieurs articles et en plusieurs langues concernant le traité de Sèvres. Et ces articles affirment que cet éphémère traité ne durera qu'un an, mais dont les répercussions seraient toujours d'actualité, qu'il n'a pas ratifié et qu'il serait donc caduque. Il est donc de notre devoir de répondre le plus explicitement possible. Oui, j'ai voulu analyser la façon avec laquelle les articles qui circulent actuellement interprètent le traité de Sèvres et j'ai constaté plusieurs contre-vérités qui méritent des explications. Pour cela, il est donc nécessaire de rappeler que le traité de Sèvres est un traité de paix qui met fin à la Première Guerre mondiale entre les Alliés et la Turquie. Suite au traité de Versailles entre les Alliés et l'Allemagne, au traité de Saint-Germain-en-Laye entre les Alliés et l'Autriche, au traité de Neuilly entre les Alliés et la Bulgarie, et au traité de Trianon entre les Alliés et la Hongrie. Le traité de Sèvres est avant tout un traité de paix entre la Turquie et les puissances alliées suite à l'armistice de Moutros du 30 octobre 1918. Nous pouvons aussi rappeler les conditions de l'article 24 de cet armistice, qui précise « Dans le cas où des désordres se produiraient dans les civilayets arméniens, les alliés se réservent le droit d'occuper toute portion des 10 vilayets. » Ensuite, pour être signataire du traité de paix, la Turquie a été reconnue comme un État belligérant. Aussi, cet État a des obligations vis-à-vis des autres États. Ces obligations forment les conditions de paix. Depuis l'armistice de Moutros, le 30 octobre 1918, jusqu'à la sentence arbitrale du président Wilson, le 22 novembre 1920, s'est écoulé à peu près 2 ans et 22 jours. Dès le 18 janvier 1919, avec le discours du président Raymond Poincaré, le Conseil supérieur des Alliés débutera la conférence de paix qui se terminera en août 1920. Permettant d'élaborer les conditions de paix et de créer la future Société des Nations. Les États signataires du traité de paix sont au nombre de 14, composés en 3 groupes. Le premier groupe des principales puissances alliées, au nombre de 4 États, l'Empire britannique, la République française, le Royaume d'Italie et l'Empire du Japon. Le second groupe des puissances alliées, au nombre de 9 États, l'Arménie, la Belgique, la Grèce, le Hedjaz, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État serbe, croate, slovène et la Tchécoslovaquie. Le troisième groupe, un État belligérant, la Turquie. Si nous prenons la liste des principales puissances, nous pouvons constater que les signataires sont pour la majorité des empires ou des royaumes dont, relativement à leur constitution, la ratification est du ressort du souverain. Reste la France comme république. Alors étudions ensemble la Constitution française en vigueur en 1920. Selon l'article 8 de la Constitution française de 1875, toujours en vigueur en 1920, c'est le président de la République qui négocie et ratifie les traités, c'est-à-dire M. Raymond Poincaré, qui délégua son ministre des Affaires étrangères, M. Alexandre Millerand, au poste de président du Conseil des Alliés. En ce qui concerne les puissances alliées du second groupe, il faut préciser que le traité de Sèvres fixe les conditions de paix dans plusieurs régions en Europe, en Afrique, en Asie mineure et au Moyen-Orient, c'est-à-dire Constantinople, au Détroit, au Kurdistan,
à Smyrne, en Grèce, en Arménie, en Syrie, en Mésopotamie, c'est-à-dire en Irak, en Palestine, au Hedjaz, c'est-à-dire en Arabie, en Égypte, au Soudan, à Chypre, en Libye et dans les îles de la mer Égée. Sur ces régions, l'Arménie et le Hedjaz sont des États nouvellement reconnus, signataires du traité de paix et sans constitution nationale. Pour la Turquie, le Conseil de la souveraineté qui s'est réuni donc le 22 juillet 1920, sous la présidence du sultan et de ses plénipotentiaires, donc, ont décidé de signer le traité le 10 août 1920 à Sèvres. Mais ce sera en 1921 que l'État de Turquie, constitué par la loi organique du 20 janvier 1921, établit une constitution provisoire après l'arbitrage du président des États-Unis du 22 novembre 1920, et ce sera le 30 octobre 1922 que le sultanat sera aboli. Selon l'article 104 de la nouvelle constitution turque du 20 avril 1924, les constitutions de 1876 et de 1921 sont abrogées. C'est pourquoi on est en droit de se poser des questions alors sur la réalité juridique actuelle de la question du traité de Lausanne. Mais bon, c'est une autre question. D'un autre côté, jamais la réalité juridique du traité de Sèvres n'a été mise en doute et en cause par les autorités d'État de l'Arménie occidentale. J'insisterai même sur le fait qu'au point de vue du droit international, il ne saurait y avoir de discussion sérieuse sur notre droit de procéder au rétablissement de notre souveraineté nationale en Arménie occidentale. En réponse à l'article précité, nous pouvons rappeler la position de la France représentée par M. Legge, ministre des Affaires étrangères, le 3 décembre 1920, suite à un échange avec M. Lloyd George, qui reconnaît que si la France refuse de ratifier un traité signé sur le sol français, sous la présidence du gouvernement français, on se retrouvera évidemment en présence d'une situation sérieuse. On devrait cependant reconnaître que le traité de Sèvres, lui-même, est le résultat d'un accord entre tous les alliés. Si donc il était admis qu'un arrangement fait par le gouvernement français peut être mis en question quelques mois plus tard, il y aurait là une situation vraiment étrange. La réponse de M. Legge est pourtant claire. Il veut qu'il n'y ait aucun malentendu sur la portée exacte de ses paroles. La France n'a jamais refusé de faire honneur à sa signature. Mais en présence d'une situation nouvelle, dit-il, il est naturel que le Parlement et les commissions parlementaires en particulier se préoccupent de la possibilité d'adapter le traité à cette situation. Il ne dit pas qu'il ne veut pas ratifier le traité. Mais alors, monsieur Apramian, pourquoi autant de désinformations concernant le traité de Sèvres? Oui, les protagonistes, les négateurs et détracteurs de cette vérité juridique ont des intérêts qui leur sont propres. Ce sont des intérêts d'État. La constitution d'un État arménien sur le territoire de l'Arménie occidentale est la raison de toute cette confusion. Les conséquences sont d'ordre international. Parce que les Arméniens d'Arménie occidentale ont subi deux crimes. Le crime de génocide, le crime d'appropriation illicite d'une souveraineté d'État. On voit bien ce que cela signifie aujourd'hui quand on observe ce qui se passe en Syrie. Il existe donc deux types de mécanismes, celui qui permet de reconnaître l'existence d'un État et celui qui permet de détruire l'existence d'un État. En interne, le plus gros mensonge dans ce cas vient d'un ancien ambassadeur de la République d'Arménie au Canada, aujourd'hui en retraite, qui prétend qu'il est possible de ne pas considérer l'article 89 du traité de Sèvres comme convention écrite du litige nécessitant l'arbitrage du président Wilson. Cette thèse ridicule fera l'objet d'une réponse spécifique lors d'un prochain dossier sur la légitimité successorale de la sentence arbitrale du président Wilson. Mais ensuite, il prétend dans un article récent, je cite, que le traité de Sèvres et la reconnaissance du génocide des Arméniens sont deux combats différents. Il oublie encore que le traité de Sèvres
est la dernière intervention d'humanité des puissances alliées en direction de l'Arménie et des Arméniens. C'est pourquoi je l'invite, s'il ne l'a pas déjà fait, à lire la partie 7, sanctions du traité de Sèvres, et les articles 227 à 230 de la partie 7, sanctions du traité de Versailles. En un mot, j'ai bien l'impression d'être en face d'une personne qui n'a pas pris le temps d'étudier réellement les questions qui lient le procès des jeunes Turcs avec les traités internationaux de paix. C'est normal, cette fois-ci je n'ai pas mis sur Internet les fruits de mes recherches, ils sont toujours en ma possession, donc pour le moment, aucune possibilité de les récupérer. Bref, les articles du traité de paix concernant particulièrement l'Arménie sont au nombre de 6. L'article 88 a la particularité de confirmer la reconnaissance de juré de l'État d'Arménie par les puissances alliées comme un État libre et indépendant, quand bien même si la Turquie ne reconnaissait pas l'indépendance de l'Arménie. L'article 89 précise que toutes les parties conviennent de soumettre à l'arbitrage du président Wilson la détermination de la frontière entre la Turquie et l'Arménie et fait l'objet d'une sentence spécifique. L'article 90 définit les clauses et les obligations financières entre la Turquie et l'Arménie. L'article 91 détermine une commission de la frontière dans un délai de 3 mois à compter de la décision mentionnée. Cette commission a émis un tracé des frontières qui a intégré la sentence arbitrale du président des États-Unis, le 22 novembre 1920. L'article 92 précise que les frontières respectives entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie seront déterminées par un accord direct entre les États concernés. La guerre déclenchée au Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan en février 1988 a pour cause la délimitation comme présentée dans l'article 92 du présent traité de paix. C'est donc par la voie de la guerre, en direction des populations civiles arméniennes, que l'Azerbaïdjan a décidé de s'approprier un territoire appartenant à l'État arménien de 1920. Il n'est donc plus question ici d'accord entre les États concernés, ni de permettre aux principales puissances de se charger de son tracé sur le terrain. Un danger équivalent menace en permanence le Djavark. L'article 93 fait l'objet d'un traité avec les principales puissances alliées, définissant les droits des minorités et les relations diplomatiques entre les États concernés. Depuis et sur la base du traité de paix, signé à Sèvres en 1920, l'Arménie occidentale n'a pas pu appliquer sa souveraineté à cause de l'occupation de son territoire par la Turquie. La question de la souveraineté territoriale de l'Arménie occidentale n'est pas avant tout une question d'ordre militaire, mais c'est une question d'exéquature des droits à l'indépendance de l'Arménie occidentale, c'est-à-dire une question juridique. Cette question nécessite pour son application de l'existence d'un groupe politique pour une représentativité officielle, d'un organe gouvernemental pour l'exécutif, d'un organe parlementaire pour le législatif et d'un organe constitutionnel pour le juridique. C'est bien ce que nous avons pu mettre en place depuis la déclaration officielle du Conseil national des Arméniens d'Arménie occidentale du 17 décembre 2004. Pour apporter d'autres arguments, les États comme la Syrie, la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak, le Hedjaz, c'est-à-dire l'Arabie, l'Égypte, le Soudan, sont des États constitués sur la base du traité de Sèvres. Le Moyen-Orient et les États en question font l'objet aujourd'hui d'un bouleversement surnommé « Printemps arabe » et d'une guerre sans merci et chaotique qui, nous le constatons bien, a pour objectif de détruire ces mêmes États constitués sur la base du traité de Sèvres. La Turquie en est bien entendu le fer de lance. En conclusion, aucune instance n'a pu à ce jour démontrer la caducité du traité de Sèvres. Évidemment, puisqu'il est relativement facile d'en démontrer qu'il reste un puissant accord international. L'obligation constitutionnelle de ratification par les principales puissances alliées des traités en question reste une question juridique à l'ordre du jour. Remettre en question la réalité juridique du traité de Sèvres, c'est aussi en partie remettre en question la réalité constitutive de la Société des Nations,
en ne prenant pas en compte le pacte qui est présent, de l'article 1 à l'article 26, et qui représente une pièce fondamentale dans la constitution de la Société des Nations. Tout ce remue-ménage politique autour du traité de Sèvres consiste à faire croire aux populations principalement intéressées et directement concernées, ainsi qu'à leurs organes politiques officiels, de ne pas revendiquer leurs droits légitimes à l'exéquature de ce traité et de la sentence correspondante. Merci. Merci, Monsieur Apramian. Ainsi, nous comprenons mieux les raisons pour lesquelles des gens diffusent des contre-vérités concernant le traité de Sèvres et son application. Nous vous disons donc à la prochaine émission politique consacrée à l'Arménie occidentale et aux droits de sa population.